Je suis avec Olivier Boudreau de Murray Bay. Olivier, félicitations. Tu as gagné aujourd'hui dans la catégorie moustique garçon. Comment est-ce que tu décrirais ta journée aujourd'hui de 81 coups, donc, qui t'a permis ta victoire? Ben, aujourd'hui, ce qui m'a permis de gagner, ben, c'est mes potes. Puis j'ai trouvé le terrain en très bonne condition, puis j'ai bien joué. Puis, ben, c'est pas mal ça. Est-ce que tu aurais un remerciement à faire, quelqu'un spécial qui t'aurait aidé à gagner aujourd'hui? Ben oui, mes parents, mon frère, les personnes avec qui je joue à mon club, puis Pierre-Luc, dans vos... ton coach. Parfait, mais félicitations, je te sers la main. Bravo. Je suis avec Alicia Hainaut de Drummondville. Alicia, la championne dans la catégorie filles Pee-wee. Félicitations! Merci. Écoute, c'était quelque chose, 3 trous de prolongation. Comment tu t'es sentie quand finalement tu as réalisé que tu étais la grande gagnante? Eh bien, j'étais vraiment contente parce que le premier trou de prolongation, j'ai raté un tout petit pote pour le par. Donc, j'étais vraiment contente parce que tu sais, je pensais que je le méritais. Fait que c'est pour ça. Et donc, l'été approche à sa fin. Tu vas recommencer l'école à partir de septembre, comme oui. Tous tes autres jeunes. Qu'est-ce que tu vas faire pour continuer à t'entraîner au golf? Eh bien, chez moi, j'ai un filet dans ma maison, là, avec un tapis. Mm-hmm. Fait que je peux m'entraîner là l'hiver parce que mon coach, qui s'appelle Daniel Langevin, il m'envoie des trainings, un peu des entraînements. Donc, que je peux faire, genre, je les ai sur moi, là, sur papier ou sur un tableau. Puis je peux faire dans mon filet qu'est-ce qui est écrit dessus. Donc, ça me pratique. Puis je peux l'en faire quand je veux pour toute la semaine. Donc, c'est grâce à ces entraînements qu'on va te revoir l'été prochain à Golf Québec dans les beaux tournois. Ouais. Ouais, ben félicitations encore, Alicia. Merci. Je suis en compagnie de Mathilde Denicourt de Saint-Césaire, la championne chez les filles Bantam. Mathilde, félicitations. Tu as joué pour les deux rondes de 148 coups. Donc, explique-moi, tu as battu un record. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Bien, je suis vraiment contente parce que là-dedans, il y avait une de mes meilleures rondes à vie. Puis aussi, c'était comme un accomplissement personnel. Puis, je suis fière d'avoir battu le record. Donc, on va quand même te revoir l'été prochain, donc dans les compétitions juvéniles de Golf Québec. Ouais. C'est ça? Félicitations encore. Merci.